Salut, salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Si c'est votre première fois sur Monde Actu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour rien ne manquer. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser votre plus gros pouce bleu pour nous soutenir. Asseyez-vous confortablement car nous allons commencer. Miss Togo 2022, Mademoiselle Tosu Jacqueline a récemment posté une nouvelle coiffure sur sa page Facebook, arborant un nouveau produit, Sublime Duni Wax Côte d'Ivoire, où elle fait un clin d'œil aux marques et maisons de couture qui l'a habillée. La nouvelle coiffure de la Miss n'a pas du tout plu aux internautes, notamment le député Jerry Tama. En effet, ce dernier a exprimé son mécontentement dans un post. Je cite, « Jacqueline, non. Nous avons élu une Miss naturelle et jolie que tout le monde apprécie. Dis-leur d'enlever les spaghettis brûlés qu'ils t'ont mis sur la tête là. On refuse. Ensuite, dis-leur qu'une Miss du pays où les gens font beaucoup la bouche doit avoir un chargeur de son image et un photographe professionnel. Toi-même regarde la troisième photo qu'ils ont publiée. Où est passée la fleur naturelle et fraîche qu'on a élue? Je sais qu'on va encore me traiter de député Kwakwatto, mais Miss Togo est une affaire nationale. Tout le monde doit avoir ses yeux dans son histoire. Allez, je rigole un peu, mais enlève les spaghettis et soigne ton image, petite sœur. Regarde la Olivia Yassé. De mon point de vue, tu es plus belle qu'elle. Mais son équipe ne diffusera jamais de si mauvaises images d'elle. Même le dernier des téléphones prend de meilleures photos. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Jerry indigné. Que pensez-vous de l'indignation du député? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous serons très ravis de vous lire. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine.